Il y a un constat aujourd'hui, c'est qu'on meurt mal en France. C'est le constat qu'a fait Didier Sicard lorsqu'il a fait un tour de France des régions. On meurt mal et face à ce constat, François Hollande a proposé dans la mesure 21 une assistance médicalisée pour des personnes atteintes d'une maladie grave et en phase terminale de cette maladie pour, dit-il, pouvoir mourir en dignité. Alors, il faut reprendre ce terme d'assistance médicalisée parce qu'aujourd'hui, nous avons une loi qui permet cette assistance médicalisée, c'est la loi Leonetti, qui permet de soulager, même au risque d'écourter la vie, c'est-à-dire donner tous les antalgiques et les sédatifs nécessaires. Cette loi permet aussi de respecter le refus de traitement, arrêter tout ce qui prolonge la vie ou maintient la vie. Et la loi aussi prévoit que l'on puisse écrire ces directives anticipées, désigner une personne de confiance au cas où on ne serait pas en mesure de dire ce que l'on souhaite. Eh bien, cette loi est mal connue et n'est pas appliquée aujourd'hui en France. Donc la question qui se pose, c'est faut-il aller plus loin? Faut-il une nouvelle loi? Et il est question aujourd'hui, on ouvre des chantiers sur différentes solutions, entre autres légaliser l'euthanasie ou bien légaliser l'assistance au suicide, c'est-à-dire permettre à une personne de prendre elle-même un produit qui lui permet de mettre fin à ses jours.